Des générations et peuples solidaires, chers membres de la direction de GPS,
chers délégués et présidents, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mouvements et associations des générations et peuples solidaires. C'est bon. Chers frères de l'opposition ivoirienne, fiers africains, chers amis africanistes, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous souhaiter au nom de la coordination GPS Benelux, le traditionnel Akwaba. GPS Benelux, le traditionnel Akwaba, soyez les bienvenus à Bruxelles, capitale de la démocratie européenne. Chers camarades de lutte, chers militants de la démocratie et de la justice, recevez nos salutations fraternelles et notre profonde gratitude pour votre mobilisation d'envergure. Nous sommes mobilisés et debout pour dénoncer l'acharnement inouï et inhumain orchestré par le régime d'Alassane Ouattara contre l'ex-premier ministre, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Président et président des générations et peuples solidaires, son excellent Guillaume qui va venir chez nous. Oui, le président GKS est la cible de persécution, d'injustice et de diffamation gouvernementale. La coordination GPS a dénoncé avec la plus grande énergie patriotique l'harcèlement politico-judiciaire, les perquisitions arbitraires, l'instrumentalisation de la justice ivoirienne par le pouvoir exécutif, les violations multiples et répétées des droits civils et politiques du président Guillaume Kibaforisso. Nonobstant les conditions de vie de plus en plus déplorables de nos compatriotes, le gouvernement d'Alassane Ouattara a décidé de mobiliser illégalement tous les moyens de l'État afin de faire taire l'opposant politique le plus audible, le plus crédible et le plus présidentiable. Nous n'accepterons jamais de tels agissements qui déshonorent notre belle Côte d'Ivoire. Militants et militantes, chers camarades, militants et sympathisants, chers camarades, je voudrais exprimer mon rêve le plus ardent, le plus fort, qui est l'accession au pouvoir de son excellent Guillaume Kibaforisso pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire d'état de droit. Fiers Africains, mes chers compatriotes, chers Africains, chers Ivoiriens, mes chers camarades, je voudrais être... Chers Africains, mes chers compatriotes. Il y a un discours. Je voudrais remercier tous ceux qui sont ici présents. Vive Génération et Peuple Solidaire. Vive les panafricanistes. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. On remercie le représentant. Merci au vice-président du RGPS. Merci au vice-président de RGPS. Merci au coordinateur Benelux, le général. Merci. Alors très rapidement, nous allons rapidement faire passer nos soeurs danseuses traditionnelles ici présentes. Merci de les acclamer très fort. Très rapidement, deux minutes. Pour le président, c'est le tout à fait Guillaume. Elle nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle représente la culture ivoirienne. Merci. GPS. Le président tout à fait Guillaume. Les danseurs du pays profond de la Côte d'Ivoire. Pour le président du peuple belge. On a vu, on a vu le terrain, on a vu le terrain, on a vu le terrain, on a vu le terrain,
On applaudit la délégation GPS. Alors, très chers camarades militants de GPS, chers combattants de la liberté, chers amis africains, nous sommes réunis en ce lieu hautement symbolique pour décrier avec énergie notre indignation face à la cabale entretenue par le pouvoir d'Abidjan contre le président de GPS, son Excellence Guillaume Kibafori-Soro. En 2010, l'avènement au pouvoir de M. Alassane Ouattara, dans le contexte de l'alliance politique RHDP, regroupant le PDC-IRDA, l'UDPCI, le MFA et le RDR, a donné un brin d'espoir à nos concitoyens. Mais depuis l'émiettement de cette alliance à l'approche des échéances de 2020, le RDR, mué en RHDP unifié, a renoué avec ses vieux démons de la haine, la violence et les intrigues politiciennes. Presque 12 années après la crise post-électorale de 2010-2011, chaque village de la Côte d'Ivoire a à ce jour au moins une fille ou un fils, soit en prison, soit en exil,
ou simplement tués dans des conditions suspectes. Dans nos échanges avec des amis et parents vivant en Côte d'Ivoire, la seule variante qui ressort est la peur. Ils sont tous inquiets de ce qu'il adviendra aux élections présidentielles de 2025. Ce sentiment de phobie généralisée nous ramène à la sempiternelle question de la réconciliation. Collectivement, les Ivoiriens se doivent d'être francs et l'admettre comme tel. Le chantier de la réconciliation demeure encore un vain mot. Il urge donc de le concrétiser en actes. Ce n'est plus l'heure de tergiverser. La réconciliation s'impose à nous et maintenant. Chers camarades, nous sommes ici dans notre odyssée dont l'ultime objectif n'est rien d'autre que la recherche de la paix véritable en Côte d'Ivoire. En effet, notre pays va mal, voire très mal. Le climat sociopolitique actuel est symptomatique du malaise profond qui mine la conscience collective. Tout porte à croire que les dirigeants actuels n'ont tiré aucun renseignement du passif des crises vécues. Depuis l'élection présidentielle de 2020, dans les conditions que nous connaissons tous, la peur au ventre, la grogne s'est emparée d'une majorité écrasante de la population ivoirienne. Ces mécontentements, bien que disparates, ont en toile de fond un vecteur commun, la désapprobation de la gouvernance actuelle de M. Alassane Ouattara. Ils tirent leur source de la désillusion d'un bien-être social pompeusement promis, mais jamais réalisé. Ils ne sont pas le fait d'une idéologie ou d'un parti politique. Ils sont plutôt la conséquence du sentiment d'exclusion ressenti par des populations et qui, de surcroît, sont réduites au silence par la peur des représailles. Chers amis, dans cette impasse, nous, au GPS, pensons que le moment est venu pour que des actes concrets soient posés afin de ramener une paix définitive tant espérée dans notre pays. Il faut éviter qu'en 2025, des millions d'Ivoiriens se voient dénués de leur droit de vote et de leur choix de candidat. Depuis que le président Guillaume Soro a officialisé ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, aussitôt, elle a été aperçue comme l'ennemi juré du pouvoir d'Abidjan. Dès lors, sa famille biologique, ses compagnons du GPS et lui-même font l'objet d'un harcèlement juridico-politique sans discontinuer. L'on a poussé l'outrecuidance jusqu'à vouloir dissoudre le GPS. Il semble même que la simple évocation du nom Guillaume Soro donne des sueurs froides à Abidjan. C'est comme si le phénomène Guillaume Soro constituait un pan entier de leur programme de gouvernement. L'on veut simplement croquer Guillaume Soro. Eh bien, c'est peine perdue. C'est un truisme de dire que Guillaume Soro est aujourd'hui l'espoir de millions d'Ivoiriens. Non, le président Guillaume Kipafori Soro n'est pas un gavroche dans la sphère politique ivoirienne. On se souvient qu'à une époque très récente, le président Guillaume Soro, dès son jeune âge, faisait partie du G4. Entendez par là les quatre grands dinosaures de la politique ivoirienne, à savoir les présidents Ricord Abédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et lui-même. En un mot comme en mille, nous voulons le dire ici sans embâge, aucune réconciliation en Côte d'Ivoire ne peut se faire sans le président du GPS, son Excellence Guillaume Kipafori Soro. Le président Alassane Ouattara, à un moment donné de son cheminement politique, le chef de l'État, Alassane Ouattara, ça va ?
chef de l'État Alassane Ouattara. C'est un lapsus. Il n'est pas le président de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État. Juste le chef d'État. Le chef d'État Alassane Ouattara, à un moment donné de son cheminement politique, a été lui-même confronté à l'exclusion. Il a fallu une guerre aux conséquences désastreuses pour qu'il soit réinséré et enfin être élu président de la République. En vérité, nous sommes convaincus que c'est en procédant ainsi que nous parviendrons à bâtir une société ivoirienne plus équitable, plus inclusive et plus épanouie et plus résiliente face aux défis auxquels nous sommes confrontés, à savoir le chômage, l'insécurité, la corruption et la cherté de la vie. Je vais terminer sur ce mot pour dire que nous venons de l'Angleterre et je ne vais pas terminer ce discours sans citer un célèbre réalisateur et scénariste anglais du nom de Charlie Chaplin qui disait dans le film Le Dictateur, et je le cite, « Ne désespérez pas, la haine ne gouvernera jamais le monde car l'amour est éternel. » Ce malheur qui nous accable n'est que la fureur passagère de l'avidité. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive le GPS, peuple uni, peuple fort. On applaudit. GPS. Merci au brillant secrétaire général de GPS Royaume-Uni, accompagné sinon à côté, juste à côté de lui, hier, la présidente Ouattara Bali. Merci à vous. Alors très rapidement, nous n'avons plus assez de temps. Je demande aux prochains intervenants de lancer le message de leurs différentes délégations en 2 minutes, s'il vous plaît. J'exige là-dessus, on va faire avec les moyens du bord. Merci. Alors après le message de la délégation GPS au Royaume-Uni, très rapidement, on va passer au message de la délégation GPS Espagne. 2 minutes, s'il vous plaît. Délégation GPS Espagne. La présence de Kofi Baba Nikono. La présence des affaires du service de Côte d'Ivoire. Marceline Zobo. Jocelyne Joss. Denis Dagou pour le GPS. L'honorable Issiaka Fofana, conseiller du président Soro Guillaume, madame Madia Touré, conseillère du président Soro Guillaume, mesdames et messieurs, les présidents des commissions chargées de l'organisation de cette belle manifestation, mesdames et messieurs, les présidents des associations, des mouvements, des partis politiques proches du président Guillaume Soro, mesdames et messieurs, délégués, militants, sympathisants de Génération de Peuple Solidaire, en vos rangs et grades respectifs, je vous salue. J'aimerais, avant tout propos, exprimer toute ma gratitude à l'honorable Issiaka Fofana qui a permis ma présence d'ici parmi vous dans la belle capitale européenne, Bruxelles, que j'adore beaucoup. Je suis madame Alicia, porte-parole de GPS Espagne, la terre du bon vin, la terre du vin rouge. Nous, GPS Espagne, suivons avec beaucoup d'attention l'acharnement inouï, infondé contre notre leader qui se déroule en Côte d'Ivoire et même à travers nos frontières. Nous faisons allusion aux différentes condamnations de 20 ans et à perpétuité, aux différents mandats d'arrêt internationaux, aux arrestations et emprisonnements des leaders, des militants, des sympathisants et proches du président Guillaume Soro pour leur militantisme, certains pour leur loyauté et d'autres pour leur lien familial. Nous dénonçons avec la dernière énergie le recul de la démocratie en Côte d'Ivoire, le viol et le vol de notre liberté d'expression,
de l'épanouissement du peuple ivoirien. Monsieur le président de GPS, son Excellence Roque Bafori Diom, nous, GPS Espagne, réitérons notre engagement au combat noble pour le rétablissement d'une justice équitable et un état de droit, de paix, du pardon et d'une réconciliation vraie et durable. Nous demandons au président Alassane Ouattara de favoriser le retour de tous les désignés. De tous les prisonniers politiques et d'agir comme un homme de paix, rassembleur, pour une porte d'ivoire unie et inclusive. Je vous remercie. Merci beaucoup. Présence de merci. Alors très rapidement, rapide. Nous allons avec 2 minutes de pause musicale. Le masque va nous enjailler très rapidement, 2 minutes. Ibra, allez, c'est parti. Le masque qui vient de Touba, région profonde de la Côte d'Ivoire. Le masque qui vient de Touba. Merci. De l'opposition et amis de la Côte d'Ivoire. Je suis
de Tossa Patrick, fédéral en France et en Europe pour le CNDS, membre GPS. La situation est alarmante et nous autorise la prise de conscience, de responsabilité et d'action commune. Voici aujourd'hui l'occasion ultime de faire le diagnostic de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. La situation sociopolitique dans notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a jamais été aussi des plus critiques de la sous-région. Avec son corollaire d'intimidation, de privation de liberté, d'association et de droits fondamentaux, le tout corroboré par des arrestations arbitraires et assassinats les plus crapuleux. Cet acharnement inouï, digne des époques apocalyptiques, dirigé singulièrement contre le GPS, ses cadres, militants et son président, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, ne faiblit point, bien au contraire. Nous ne cesserons jamais de rappeler, rhétorique et pédagogique oblige, que le président de GPS, depuis sa rupture de ban avec le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, est la cible de toutes les attaques obscènes et obséquieuses, de main mise et main basse contre sa personne, les proches de sa famille, ses biens matériels et immatériels. Nous observons une vague successive de perquisitions de ses domiciles et du siège de Génération et Peuple solidaire en violation flagrante de ses droits élémentaires de citoyens libres, mais au-delà de personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, députés bénéficiant d'immunité parlementaire et d'exception de juridiction. En effet, sur une période de 7 ans, ces domiciles seront vertement violés par 4 fois, sinon bien plus, au quotidien pour, dit-on, trouver des preuves accablantes pour justifier un pseudo coup d'État dont il serait l'instigateur. Mais en clair, rien n'y fit. Le 16 octobre 2015, son domicile à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, sera passé au peigne fin. Le 3 juillet 2017, ce sera le tour du domicile privé d'Abidjan de son directeur de cabinet, son directeur de protocole, Koné Camarate Souleymane, dissous tout soul. Le 27 février 2022, le domicile secondaire privé à Boiteux de son Excellence Guillaume Kibafori Soro sera perquisitionné, mettant aux arrêts le petit personnel de maison. Puis enfin, la dernière perquisition en date du 1er mars pour cette fois, faire le tour à nouveau de toutes les résidences, y compris celles de son village, semant la panique et la terreur sur la terre de ses ancêtres. De tout ce qui précède, le constat est établi que l'acharnement dont est victime notre leader générationnel et président de GPS est purement politique, stratégie inique pour l'écarter, sinon lui enlever toute envie d'ambition politique pour la magistrature suprême et le tenir indéfiniment en exil. Considérant que la démocratie ne saurait s'exercer dans un État en proie aux brimades, privation de liberté, d'association et de manifestation, or la Constitution garantit les libertés fondamentales dans son préambule, considérant qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil, article 12, chapitre 1 des droits et des devoirs, article 1er des libertés, considérant enfin que la personne humaine est sacrée, article 2, 1 du premier titre de la Constitution, or l'État, les assassinats, séquestrations et indignités de tout genre sont récurrents en Côte d'Ivoire, nous, partis politiques et mouvements, associations proches de Guillaume Kibafori Soro, 1. Condamnons ces nouvelles violations des droits et des libertés à son encontre. 2. Demandons la mobilisation de tout le peuple de Côte d'Ivoire au plan national et à l'étranger pour instaurer la démocratie et la liberté sur les bords de la lagune Ébrier. 3. Invitons le régime d'Abidjan à abandonner la voie sans issue du complot, des intimidations, des chantages, pour s'engager dans celle attendue par tous les Ivoiriens, à savoir la recherche de la paix et de la réconciliation sincère à travers un dialogue inclusif. Rappelons les prises de position maintes fois exprimées par l'opposition et les sommets des chefs d'État africains sur les dérives, les emprisonnements des opposants politiques et le non-respect des lois en vigueur. Nous apportons tout notre soutien à son Excellence Guillaume Kibafori Soro, président de GPS. Soutenons les décisions prises pour des droits de l'homme. Soutenons l'Union des parlementaires indépendants pour cette décision qualitative, pertinente et courageuse.
appelons ces instances régionales et les instances internationales à plus de vigilance en mettant la pression nécessaire pour faire respecter les jugements rendus. Vive la Côte d'Ivoire, vive Guillaume Kibafoli Soro. On a bien dit, on a bien dit, applaudissez pour la délégation GPS France. En une minute, le discours de notre très cher ami, Monsieur 15-15. En une minute, vous êtes invité sur le podium, Monsieur Tosso. Monsieur 15-15, le seul Ivoirien qui a failli s'injecter du 15e étage de l'immeuble. Monsieur 15-15. Merci, merci. Alors, très rapidement, avant de laisser la parole à Monsieur Tosso, je voulais rappeler la présence remarquable et remarquée de la représentante de la délégation GPS Côte d'Ivoire, Madame Aminata Koné. Aminata Koné, allez-y. Merci de son très rapidement, 2 minutes. De ce temps, Tosso, Baba Nicolo, la présence. Est-ce que ça va? Voilà. Ici, nous sommes sur un site symbolique. Nous sommes précisément devant le ministère des Affaires étrangères belge, je ne peux pas dire pour. Nous savons pourquoi nous sommes là. Ce qui se passe en diplomatie, je pense que le pouvoir d'Abidjan ne fait pas de bon rapport au ministère des Affaires étrangères bruxellois. Et nous sommes là pour leur dire la vraie vérité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, il y a en Côte d'Ivoire un pouvoir sanguinaire. Un pouvoir sanguinaire dirigé d'une main de fer par M. Dramane Ouattara. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons décidé de venir dire notre ras-le-bol. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens sont machetés. Les gens sont découpés, les gens sont mis en exil. Pourtant, nous nous souvenons par le passé, pour ce même monsieur, nous avons donné corps et âme. Nous avons donné notre vie. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, Alassane Ouattara n'est que chef d'État. Il n'est pas président de la République. Vu que les dernières élections lui ont donné un taux de participation de 8%, alors que nous nous souvenons à l'époque, Alassane Ouattara ne reconnaît pas les élections de 2000, là où il n'était pas invité, mais il y a eu un taux de participation de plus de 33% entre le président Babo Laurent et le chef de la junte militaire, Robert Gay. Et si aujourd'hui, nous sommes à 8% de taux de participation, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, nous disons ceci. Aujourd'hui, c'est grâce à Guillaume Kibafoli Soro que Alassane Ouattara est au pouvoir. Merci. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci. C'est grâce à Dieu que Alassane Ouattara est au pouvoir. Merci. Alors pour terminer, merci. Pour terminer, on va reprendre ensemble. Alassane Ouattara, va pas faire un mot dans le pouvoir. Oh!
n'entend plus pas. On va mettre une pause. Vous, ici, Baptiste, rapidement. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nadine, ça va, s'il vous plaît. Je rappelle, mesdames et messieurs, que si cette cérémonie a lieu, il y a des hommes autour du président Guillaume Kibafori Soro qui ont travaillé nuit, de nuit comme de jour, qui ont veillé, qui ont réfléchi, qui ont mobilisé. Je viens ici, mesdames et messieurs, qu'on salue le dynamisme, qu'on salue la conviction, la fidélité des hommes auprès du président Guillaume Kibakori Soro, avec à leur tête le parrain de cette cérémonie, l'homme à la mobilisation, l'homme que le président délégué pour que ce jour ait lieu. Il est son conseiller, un homme sobre, un homme dynamique, un homme effacé, mesdames et messieurs, il est à la tête d'une grande délégation ici. Je vais parler de l'honorable Issaka Fofana. Issaka Fofana. Oui, le conseiller du président Guillaume Kibafori Soro. Il est là parmi nous. Je vous demande une fois de plus de le façonner. Alors, Issaka Fofana, on le voit plus. Beaucoup entendent parler de nous. L'ancien directeur général de la l'Autorité nationale de Côte d'Ivoire, la LONACI. Député de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Longtemps, il a été avec le président Guillaume Kibafori Soro. Avant même la primature, il a été chef de cabinet du président Guillaume Soro au ministère de la Construction, au ministère de la Reconstruction. Il a été directeur administratif et financier du président Guillaume Kibafori Soro. À la primature, c'est lui, l'honorable Issaka Fofana, le parrain de cette cérémonie. On applaudit monsieur Issaka Fofana. Merci. Monsieur Issaka Fofana. Merci. On vous voit monsieur Fousseni juste derrière. Monsieur Fousseni juste derrière, monsieur Issaka Fofana. Alors, on va faire avec les moyens du bord. Vous savez qu'on est tellement pris par le temps, on va aller très rapidement. Plusieurs délégations devraient ici se succéder. Mais je vous demande l'indulgence. Nous sommes pris par le temps. On n'avait que 1h30. Alors, l'honorable va s'exprimer, va saluer la délégation. Il va saluer le public. Et puis, on va lire la motion. Ensuite, on va passer rapidement à la fin. Merci, honorable. Merci à tous. GPS un jour, GPS toujours. GPS un jour, GPS toujours. Merci beaucoup. Merci pour cette mobilisation qui est la preuve que GPS reste toujours debout. Merci de nous réunir ce soir ici, à la place de à Bruxelles, pour dire ensemble non à la caporisation du peuple ivoirien. Non à la criminalisation des acteurs politiques. Ensemble, on dit non. Non à la criminalisation des acteurs politiques. Non à l'instrumentalisation de la justice. Oui à la démocratie. Oui au respect des droits de l'homme. Oui au respect des droits du président Guillaume Soro. Merci. Le président Guillaume Soro me charge de vous dire merci pour cette mobilisation. Nous disons merci à GPS Europe pour cette mobilisation spontanée pour venir dénoncer l'acharnement politico-juridique contre le président Guillaume Soro. Il n'y a pas longtemps, ses résidences étaient perquisitionnées et un
un jour, le 25 février, si je ne m'abuse, nous avons vu passer le procureur de la République de Boaké brandir des vieilles armes semble-t-il trouvées au domicile du président Guillaume Soro. Nous disons non à la manipulation. Non. Nous disons non à l'intoxication. Non. Nous disons non aux contre-vérités. Non. Le président Guillaume Soro s'est engagé dans la voie démocratique. Il veut le pouvoir d'État, il aura le pouvoir d'État, mais par les urnes. Par les urnes. Par les urnes. Il viendra pour que plus jamais en Côte d'Ivoire on distribue des peines d'emprisonnement de 20 ans comme des petits pains. Oui. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Aujourd'hui, notre pays, nos concitoyens sont écrasés par le poids des difficultés quotidiennes. Nous attendions à ce que le gouvernement nous propose des solutions idoines pour la cherté de la vie. Mais au lieu de ça, c'est des manœuvres contre les acteurs politiques. Si vous remarquez, vous vous rendrez compte que les perquisitions sont intervenues au moment où le peuple ivoirien criait de faim. On a simulé ces perquisitions juste pour détourner l'attention du peuple ivoirien. Les déclarations du gouvernement se succèdent sans aucun impact sur le quotidien des Ivoiriens. Mais au lieu de trouver des solutions, on vient nous dire que le président Guillaume Soro voulait, ou du moins on a trouvé, des vieilles armes au domicile de Guillaume Soro qu'on brandit. Et au moment où on les a brandies, cela représente même des menaces pour nous. Pourquoi? Parce que au moment où on présente ces vieilles armes, ça coïncide avec la guerre de la Russie avec l'Ukraine, où c'est des démonstrations d'armes sophistiquées, ultra-modernes. Et nous, on nous dit que les armes qu'on a trouvées rouillées, là, c'est avec ça quelqu'un veut faire un coup d'État. Donc, imaginez, ça veut dire que nous n'avons même pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée. Chers frères, chères sœurs, merci pour votre mobilisation. Nous vous disons merci. Le président Guillaume Soro vous dit merci. Et nous disons qu'à partir de ce soir, à partir de Bruxelles, nous lançons ensemble le démarrage des activités de GPS Europe. Merci d'être les boucliers de Guillaume Soro, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tant que vous êtes là, nous sommes convaincus que les manœuvres du gouvernement n'auront pas raison des ambitions de Guillaume Soro. Jamais, jamais. Tant que vous êtes debout, il restera debout. Tant que vous êtes mobilisé, il restera déterminé à conduire le navire GPS à bon port jusqu'à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Nous n'avons pas assez de temps. Je voudrais arrêter mes propos toujours en revenant sur les remerciements, sur l'esprit que Guillaume Soro veut pour GPS Europe. C'est l'entente, l'unité, l'esprit d'équipe. Tant qu'il n'y a pas de discipline dans une maison, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, nous vous invitons, GPS Europe, tout comme GPS Côte d'Ivoire, à être unis, à être une équipe, à être une famille. C'est à partir de nous que le GPS pourra être
fleurit, le GPS pourra fleurir dans le cœur des Ivoiriens parce que nous sommes porteurs de valeurs. De valeurs nobles. Merci beaucoup. Merci de vous être venu. On applaudit le président. On applaudit très très fort. La présence de Yana Ramé, digne représentant du chef de l'État. Improviser un peu avec les cérémonies. Voilà. Nous allons passer à la seconde étape. Nous aurons deux étapes. Il va y avoir la lecture de la motion par notre sœur Béa Koukounion, qui va nous lire la motion. La femme patente, Béa Koukounion. La femme de cœur, Madame Béa Koukounion. La femme de cœur, Madame Béa Koukounion. La seule femme de l'Ouest qui aime tous les Ivoiriens, Madame Béa Koukounion. Merci de prêter Madame Béa Koukounion. Discours rapide, s'il vous plaît. Libérez le podium FF, s'il vous plaît. La lecture de motion. Madame la ministre. Volume. Du royaume de la Belgique. Madame la ministre, en ce jour du 2 avril 2022, la délégation Europe du mouvement citoyen ivoirien génération du peuple solidaire, en abrégé GPS, a tenu un meeting de protestation devant le siège de votre département ministériel au fin d'une part de dénoncer les manœuvres politico-judiciaires du gouvernement de M. Alassane Ouattara contre notre leader, son Excellence Guillaume Soro. Et d'autre part, de mettre à votre disposition des informations plus justes sur la situation politique de la Côte d'Ivoire afin d'éviter que le jugement des autorités belges ne soit altéré par les contre-vérités distillées par le gouvernement d'Abidjan. Pour ce faire, il est important de faire un bref rappel des causes de la présente crise politique en Côte d'Ivoire. En effet, après la mort du premier président de la République de la Côte d'Ivoire, Oufouette Boigny, en 1993, notre pays a connu une longue période de tumultes ponctués et de crises. Mais après le soleil. Et de crises alors comme un point. Alors comme un point de nouveau départ et un renouveau politique de la Côte d'Ivoire, cette consultation populaire s'est cependant soldée par une crise post-électorale avec à la clé 3000 morts. Par la conjugaison des efforts nationaux et internationaux, M. Alassane Ouattara, qui est même président de la République en avril 2011. Cette présidence de M. Ouattara avait suscité tant d'espoir dans un enracinement définitif de la démocratie en Côte d'Ivoire. Lendemain, en chanteur de départ, la démocratie de notre pays est aujourd'hui à l'agonie. Tellement des entailles faites contre elle par M. Alassane Ouattara sont profondes et touchent un de ses organes capitaux, la Constitution, dont la violation est permanente de sa part. À cette aisance, M. Ouattara, a rusé avec la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, avec des principes démocratiques, la portée à la présidence de la République, pour un troisième mandat dont l'illégalité est sûre de tous. Pour parvenir à ses objections politiques, notamment son élection à un troisième mandat, M. Alassane Ouattara s'est employé à écarter tous les acteurs politiques ivoiriens de poids. Dans cette logique, le président Guillaume Soro a été l'opposant politique qui a le plus souffert des affres de la traque du régime d'Abidjan contre ses adversaires politiques.
afin d'invalider sa candidature à l'élection de 2020, M. Ouattara a condamné le président Soro Guillaume à 20 ans de prison pour des scrabeuses affaires de résidence indue, avec des chefs d'accusation, complicité de détournement de deniers publics, de recel de détournement de deniers publics et de blanchissement de capitaux portant à la somme de 1,5 milliard de francs CFA, soit 2,29 millions d'euros. Alors que la résidence objet de poursuite de du président Soro Guillaume est son bien personnel, acquis à la suite d'une instruction du président Laurent Gbagbo au ministre de l'économie et des finances d'alors, feu Charles Konambani, pour l'achat de la dite résidence, opération tout à fait légale et transparente. Toujours dans sa logique de vengeance contre le président Guillaume Soro pour avoir refusé d'adhérer au RHDP du président Alassane Ouattara, le régime d'Abidjan a entrepris une répression inouïe et sans précédent sur le GPS et ses dirigeants le 23 décembre 2019. En effet, alors qu'il revenait d'un séjour de 6 mois de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes l'ont empêché l'avion du président de GPS d'atterrir le 23 décembre à Abidjan. L'avion a dû changer de plan. L'avion a dû changer de plan de vol, l'obligeant à Pendant ce temps, à Abidjan et à travers toute la Côte d'Ivoire, le dispositif policier et militaire qui avait déployé est entré en action. Une violente répression s'est abattue sur les militants du mouvement Génération et Peuple Solidaire, qui par milliers s'étaient obligés, avec enthousiasme, pour l'accueil de leur leader. Après, mais je peux pas quitter le micro. S'il vous plaît. Comment quitter le micro? Comme tu as coupé. On a petit madame Béa Koukouno. Après. Madame Béa Koukouno. On va parler à la sienne, comme ça. Non mais, si je vais prendre un micro. Tu crois pas. Après, près de 200 hommes armés du régime Ouattara ont transformé Abidjan en champ de bataille pour chassant et bastonnant toute personne considérée comme militant du GPS ou proche de son président. Cette opération s'est soldée avec plusieurs arrestations de hauts cadres du mouvement, dont les anciens ministres, des maires et des députés, en toute violation des immunités dont ils bénéficiaient. Pour la première fois dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, des membres d'une même famille biologique étaient arrêtés, juste pour leur lien de sang ou leur personnalité politique. En effet, les deux frères du président Soro ont été arrêtés et condamnés au mépris du principe de la personnalité des poursuites de peine. L'épilogue de cette répression est intervenu le 23 juin 2021, après un procès qui est entré négativement dans les annales de l'histoire de la justice ivoirienne, tellement qu'il était théâtralisé et avec une forte senteur politique, le président Soro fut condamné à la perpétuité. Deux mandats d'arrêt internationaux lui ont été servis par les autorités ivoiriennes par suite de ces procès. Ces mandats d'arrêt sont certes revenus infructueux, mais ils démontrent une fois encore, une fois de plus, l'acharnement inouï du régime de M. Ouattara Rahman contre le président Soro. Ben, c'est trop long. Nous invitons avec insistance le gouvernement du Royaume de la Belgique de poursuivre sa politique de bienveillance et d'hospitalité à l'égard de tous les citoyens du monde qui décident de vivre dans ce pays si paisible et accueillant. Fait à Bruxelles le 2 avril 2022, pour GPS Europe, M. Saint-Laurent a dit. Merci Madame Béa Koukouno. Béa Koukouno, merci. Oui, les femmes, s'il vous plaît, vous devrez. Béa, s'il vous plaît, revenez. Les femmes de.
doivent aller remettre la motion. Nadine, les femmes, voilà. Awa, Eleonore, Ami, allez-y très rapidement, on a que 10 minutes. La police vient de nous signaler. 10 minutes. Laissez-lui un peu d'espace. Ouais. On est marché pas dessus quand même. Une dame africaine qui va nous lancer. Quel message, s'il vous plaît.